Là, je réenregistre. Comme ça me fera en deux parties, ce sera mieux. Merde, non, ça c'est la console. C'est la coulisse du jeu. Ça va venir. Voilà. Et voilà. Alors, ça c'est la zone du tout début. Quand l'histoire commence, on est prisonnier chez les gobelins. Donc, je vais aller dans leur ancienne réserve, là où je planque en fait tout mon matos, à l'abri des regards. Parce que les gobelins, je leur ai tellement bien éclaté la tête au carré que ce niveau-là, il n'y a quasiment plus personne de vivant. Bah, pourquoi il va en découdre avec moi, lui? Mais il est fou. Pourquoi il veut me patater, cet abruti? Oh, la trace de sang. Là, ça a giflé jusqu'au plafond. Et pourquoi il m'agresse, cet abruti? Oh, bah, je disais que j'ai décimé tout le monde, mais finalement, j'ai l'impression qu'il y a... il y a du mouvement. Là, il n'y a personne, c'était des geôles. Alors, je sais pas. Ah oui, tu t'absentes quelques minutes, à toutes. Ok, à toutes. Parce que là, tu vois, j'arrivais dans les geôles du tout début. Mais c'était pour te donner une idée. A tout à l'heure, Zex de Citron. Il n'y a pas de souci, vas-y. De toute façon, je vais faire de la gestion d'inventaire. Alors, la gestion d'inventaire, c'est pas passionnant. Pa-pa-pa-pa-pam-pam. Alors. Voilà, ma super réserve. Il n'y a plus personne, tout le monde est mort normalement. Je sais pas d'où il est sorti, champion gobelin. Mystère et boule de gomme. Alors là, il y a des nonos. Là, j'ai ma bouffe. Oh là, mais j'ai trop de bouffe, c'est nimp. C'est n'importe quoi. Alors. Ah merde! Alors, faut que j'apprenne. Il doit y avoir un moyen de tout prendre en une seule fois. Mais comment, je sais pas. Parce que là, je prends les côtes une à une, mais le lot complet, comment je fais? C'est pas shift, c'est pas alt, c'est pas contrôle. Merde, là, je suis en mode magie. Oh, parce que ça, alors tout faire à la main, un par un, c'est chiant, quoi. Je tue le rythme du jeu. Merde, non, c'est pas ça que je voulais faire. Oh là 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 là. Alors, pardon, je vous fais encore subir un moment de flottement, mais c'est la technique qui me contrarie. Je présume qu'il y a moyen de faire par l'eau, mais je connais pas l'astuce. Puis à l'époque, il n'y avait pas encore les souris à trois boutons avec le bouton du milieu que je sache. Le jeu était sorti, c'était encore le bon vieux temps des souris à boules bien lourdes en dessous, là, avec les trois axes à nettoyer. J'en ai parlé avec quelqu'un il n'y a pas longtemps d'ailleurs de ça. Il était de ma génération. Nostalgie de bref, des premières souris d'ordi. T'inquiète, ça arrive et c'est souvent nécessaire la gestion d'inventaire. Bah oui, ouais, là, je peux pas. Parce que sinon, je suis coincé dans mon histoire. C'est quoi la note que j'ai dans mon. C'est quoi? Cher Olivier, je suis désolé, mais je n'arrive pas à résoudre la quatrième énigme. Y aurait-il une chance que vous puissiez me donner une indication, Mike? Alors, ça, c'est un document qui va pas du tout m'aider. Je vais le ranger. Je libère une case d'inventaire, une fois de plus. Alors le sabre je vais garder, les dagues faut quand même que je les garde parce que j'ai un truc pour me battre quand même. Télékinésie, non je suis pas coincé, je dois avoir le sort de lévitation quelque part. Ah non,
Ah, j'ai même pas pris la lévitation, dis donc. Ah non, c'est rangé là, je suis bête. Non, non, la lévitation est rangée là avec désactivation de piège. Ok. Un livre. Alors, c'est quel livre, lui? Maintenant que nous avons trouvé une offrande précieuse pour notre dieu, nous allons pouvoir réaliser un rituel. Ah bah, c'est là, le coup de la bête. Ouais, c'est eux, quand j'ai sauvé Shani. Bon, je vais garder le bouquin à part. Christella dit oui, je m'en souviens des nettoyages de ces souris à boule et poissons d'avril. Coller un scotch sur la boule pour coincer de la souris à l'écran. Oh merde, n'importe quoi. Alors, tu vois, ça tombe bien que tu te manifestes à moi, Christella. Pourquoi? Parce que l'époque des souris à boule comme ça, moi, je suis pro-chat. C'est-à-dire, j'aime bien les félins de salon. Et toi, tu préfères les chiens. Et je me disais, je sais pas si t'as connu cette... enfin si, l'époque des souris à boules, là. Mais est-ce que toi, t'as pas eu le problème? Moi, parfois, je faisais tomber ma boule en bien lourde de souris quand je la nettoyais. Mais j'avais un chat, donc ça allait pas loin. Ça intriguait le chat et c'est tout. Mais un chien, il serait peut-être intéressé à jouer avec, voire à faire la bêtise de gober la boule. Est-ce que ça, c'est pas arrivé? Déjà, après, pour récupérer ta boule, faut que tu surveilles les excréments de ton chien. Truc horrible. Je me demande si ce genre d'accident n'est pas arrivé. On va dire à des geeks pro-chiens. Mais ça doit être l'horreur quand ça se produit. Ou je sais pas si certains d'entre vous dans le chat, vous avez connu ce genre de désagrément. Par témoignage ou... Non, heureusement, ça m'est pas arrivé. Mais moi, je le soupçonne, tu vois. Je pense que... Il y a du plus d'un propriétaire de chiens qui ont dû se faire avoir. Le chien a mal réagi. A dit, tiens, peut-être que ça se mange. Et puis, goum. La catastrophe. Alors, est-ce que je peux pas remplir mes fioles vides de flotte par ici, moi? Oh, la texture qui se barre dans le sens contraire. Ah, ah. Non, je peux pas les remplir d'eau. Comment je fais? C'est quand même pas dans l'eau putride qu'il faut que je mette la fiole pour la remplir, si? Non. Parce que le curseur d'interaction ne bouge pas. Ça, c'est un crâne. Très lourd de pierre. Là, il y a un restant de je sais pas quoi de chariot de mine. Ouais, le bordel. Merde, je suis coincé comme un ego. Le nœud est complètement pété. Ouais, il y a aussi un ramor. Je pense que je l'ai viscéré. Ouais, il n'a plus de côte. Je réfléchis. Hein. Excusez-moi, je regarde le paysage, mais je me dis où est-ce que je peux avoir une source d'eau viable pour remplir mes fioles, parce que si je peux faire de la pâte à pain, ce serait le pied, mais j'y arrive pas. Bonjour Torota, comment que ça va? Ben, moi je vais mieux, j'ai bien dormi cette nuit, ça me fait un bien fou. Donc je suis presque dans mon état top optimal. Pas encore, mais j'en prends le chemin, donc à mon avis c'est bien, demain je serai normal, et je vais pouvoir bosser une semaine normale, ce qui est important pour moi. J'espère que tu vas bien aussi, Torota. Pour info, d'ailleurs, tant que vous êtes nombreux, on se retrouvera... Vous faudra venir me mettre le grappin, m'interpeller cet après-midi sur ma chaîne pour qu'on se fasse ensemble en multi le Flatout 2. On a testé Christella, Nayone et moi hier rapidement et ça marche. Donc on va faire les foufous entre nous. À savoir que je reprendrai pas à 14h tout à l'heure. Je vais aider la famille à distance en informatique rapidement. Je pense que je reviendrai plus vers les 15h. Je sais pas si mon intervention va durer longtemps ou pas auprès de la famille. Mais je pense reprendre plutôt vers les 15h.
Et dès que vous vous sentez prêt à faire du flat out, vous, voilà, vous venez vous manifester dans ma... sur ma chaîne et je me joins à vous. Je bascule en flat out et voilà quoi. Wally Walou, vous savez tout. Alors, est-ce que je suis heureux de ma gestion d'inventaire? Oui, non. Potion de guérison de poison. Ouais, je vais peut-être me débarrasser de ces fioles-là parce que j'en ai pas spécialement besoin. Potion empoisonnée, je vais pas m'en servir non plus. Hein. J'ai pas besoin d'un empoisonnement actuellement dans ma progression de d'histoire. Fiole de vin, oui, j'en ai une de trop. C'est limite si je pourrais pas la boire. Là, j'ai deux fioles d'eau, mais je vais pas faire plus de trucs que ça avec. Donc, je me libère des cases. L'anneau pas identifié, je vais le ranger ailleurs. Non, là, c'est la bouffe, ouais. Le meuble, là, c'est la bouffe. Et là, c'est les objets. Je tac. Potion de soin, potion de soin. Ah bah merde, pourquoi elle est pas rangée celle-là? Ah, c'est 5 potions maxi de soin. Ah, mais non. Oh là là. Nul le mec, nul. Poisson machin. Les pierres de truc mûche, je sais pas à quoi elles servent, mais j'en ai déjà 3, c'est bien, je range. 5, 5, 2, 4, 5. Oh, je vais pas prendre le. Ouais, j'en ai plusieurs. Oh, même celui-là, ça pourrait être à péter, alors. Je vais toujours prendre celui-là qui va péter. Comme ça, ça me libérera des cases sur le moment. Ce sera pas plus mal. Bon, bah, c'est bien. Je suis content de ma gestion d'inventaire. Je vais re-sauvegarder et repartir à l'aventure. Pardi. Pardi, pardi. Oui, reprise, si on veut. Je suis n'importe quoi avec mes noms de sauvegarde. Mais bon, bref, tant que je m'y retrouve, c'est l'essentiel. Alors, on va encore forcer de la tôle et naïonner avec. Ouais, ouais, on a bien rigolé hier. Mais c'est bien, là, on va diffuser, tout le monde va pouvoir regarder et profiter de l'ambiance de foufou. Alors, attendez, je réfléchis, excusez-moi. Parce que le jeu est tellement bien foutu que il faut que je sache quoi faire avant de me promener dans les méandres de tout le bazar. Est-ce que j'ai un intérêt à retourner dans le trou perdu des sous-sols gobelins? Oui, non. Je crois que non. Je pense pas avoir... Attendez, je vais peut-être quand même essayer de faire ma magie parce que je connais des nouveaux sorts. Si, si, on va essayer de rejoindre le mur que je voulais essayer de péter. Parce que maintenant, je peux faire un sort puissant de... Je... Attends, c'est quoi les sorts que je fais maintenant? Pause, 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 pause. Je peux faire quoi? Je peux faire provoque une intense combustion. Non, c'est pas ça. Ça, je vais pas péter le mur. Mur de flamme, je vais pas péter le mur. Dissipe un champ de force. Oh! Oh! La négation de champ de force, ça veut dire que je vais aller dans le sous-sol numéro 4, là où il y avait la secte, et je vais découvrir des trucs. Boule de feu, c'était pas assez puissant pour le mur. Les soins, c'est quoi ça? Éteint toute flamme sur un matériau. Ah, je peux éteindre les torches maintenant. Permet de réduire l'attaque à base de flamme comme une boule de feu. Oh. D'accord. Projection d'énergie magique. Ouais, mais elle est pas assez forte, je crois. Non, alors, j'ai pas encore les moyens de faire péter les murs. Eh ben voilà. Bah oui, tu m'étonnes, Olive. Mais non, je peux pas encore péter les murs en aglo là. Il y en a deux qui sont endommageables. On va dire ça comme ça. Oui, ça c'est pour redescendre. Mais je me dis que j'ai pas d'intérêt à le faire maintenant. Donc c'est pas. On reviendra ici plus tard. Quand j'aurai de quoi péter les murs. On va retourner dans le quatrième sous-sol et on va dissiper le champ de force. En rose là, rose bonbon. D'ailleurs, je vais fermer ma planque, symboliquement parlant, et je vais me barrer. On va remonter vite fait, bien fait. Et puis on verra. Voilà, c'est un objectif à atteindre. Retourner au champ de force et le dissiper dans le quatrième sous-sol.
Après, il y a encore plein de trucs à faire à droite, à gauche, dont j'ai pas réponse. Je pourrais peut-être me reconfronter à l'espèce d'arachnide mortel, poison, des grottes. Là, on n'était pas loin quand on prenait le chemin près de chez les humains. Il y a l'histoire du cadeau de l'artiste troll qui est là-bas aussi. Sauf que c'est pas pour maintenant. Je sais plus par où passer. Il y a tellement de chemins possibles. Attendez, je réfléchis. Je vais strictement reprendre. Rembobiner. Enfin, rembobiner au niveau de. Je vais repartir de là où je suis venu. Voilà, pour être précis. Encore que, peut-être pas. Encore que, peut-être pas. Parce que si je me barre par là, je vais où? Je sais plus. Ah! On sait jamais. Je voyage. Oh merde, il ferait peur lui. Voyage. Qu'est-ce que j'entends? Il y a quelqu'un qui court. J'espère que je suis pas suivi. Quel était ce bruit étrange? Ah, il y a la taverne avec le mot de passe. On a plein de trucs à faire, les copains. Hey, l'objet. Vous voyez l'objet là-bas? Attends, comment on zoome? Je sais plus comment on zoome. Je sais plus du tout. Avant, j'arrivais à zoomer dans le jeu. Je sais plus comment on fait. Pardon. Enfin, bref. Vous voyez un truc bleu là en haut. Et je suis sûr que ça se dégomme avec une flèche. Ou un sort. Où tu pousses le truc. Mais déjà, ça, est-ce que ça c'est ouvert? Non, c'est fermé. Attends, c'est la taverne, ça. Il y a un toutou devant qui est tout gentil. Oh, le petit toutou. Non? Ah. Non, il était un peu fatigué, le toutou. Alors, je vais sauvegarder. Et je sens que je vais me marrer. Ça va me plaire. Avec la miss qui disait. La miss au comptoir qui disait vous n'êtes point initié. Tu vas voir si je suis pas initié. D'ailleurs, attendez. Je vais jouer la provoque. Elle a quoi à me dire là? Savais-tu que cet endroit existait déjà lorsque nous vivions à l'extérieur? Lorsque nous avions encore un soleil? On l'appelait alors la rose jaune. Amusant, n'est-ce pas? Ouais. Comment il va le gobelin sympa? Il paraît que les gobelins capturent des gens pour les remercier. Soupir. Je vais le laisser végéter. Mot de passe. Fat Capel. Oh bordel. C'est quoi ce char d'assaut sur pattes? T'es qui toi? Wow. Eh, vous savez quoi? Sa couleur rouge et gros char d'assaut là avec une tronche de vilain. Haute fiction. Là, il m'inspire Dune avec les Harkonnen. On dirait un soldat Harkonnen le mec. Dans quoi je mets les pieds moi? Il y a du nouveau. Je vais découvrir un endroit interdit. Oh la merde. Où suis-je? Là, je dois être chez les méchants, là. Là, c'est la secte des gros méchants. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous allez voir que je vais me faire planter. Il y a un mec qui va me reconnaître et il va me buter. Oh là là. Oh!
Putain, il m'a fait peur ce con. C'est ça. Je suis pas censé être chez eux, ils savent que je vais les buter. Allez, crie, Famlet, crie. Ouais, je l'ai eu. Wouh! Quick. Il est mort. Il est mort, les vilains. Il avait une fiole d'eau à la noix. Dans quoi tu as atterri? Dans une secte, lol. Ouais. La secte des gros vilains. Adorateurs du dieu des méchants, là. C'est quoi ça? Une pierre d'Agba. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Confisqué. Là, il y a un lit, on s'en fout. Là, il y a un bouton. Ou pas. Là, il y a un truc bizarre. Et ben, ça s'allume pas, on est d'accord. Merde. Non, ça s'allume pas. Ouais, je sais pas, il y a un truc bizarre. Là, les têtes de monstres. Ce sont les adorateurs du mal. Et je vais leur cacher la gueule. Oh. Oh. Cool. Quoi? Des fioles de sang. Moi, je m'attendais innocemment à avoir des fioles de vin. C'est des fioles de sang. Ok, tout va bien. Non mais ils sont marbrés eux. Fiole d'eau, pain. Tiens, je mange un. Confisqué. Bon, ça visiblement c'est la cuisine. Et pas Schmitt. Allez, viens te battre dans la cuisine. Nya. Nya. Merde, je voulais fermer la porte mais... Non, non, il n'y a pas de garde. Merde, j'ai loupé. Merde, il y a du monde. Voilà, il y en a du monde ici. Non, mais je vais me faire buter, là. Là, j'ai dû trouver plus fort que moi, je pense. Là, je vais me faire descendre. Double dommage. Allez, juste pour le spectacle, je lutte jusqu'au bout. Voilà. J'ai cramé dans les flammes de l'enfer. Oh la vache. Donc j'étais dans... il est 10h46. Oui, secte, 10h41, c'était ça. Donc, RIP. Bah oui, forcément, je suis allé dans le nid de guêpe. Donc j'allais me faire exploser. Ah, t'as remonté une cendre. Yeah. Mais non, les gardes gros baraqués. Mais je veux bien leur shipper hein, leur truc d'idolation là, d'idolâtre machin. Attends. Je rezigouille le mec. Je prends son joujou et je me barre. Si à un moment je me sens d'humeur, de rage à vouloir leur casser la figure, je reviendrai chez eux les démolir. Mais c'est vrai qu'il faut pas que je tombe sur les gardes en armure parce que dur. Attends, il était où le mec? Il était dans sa chambre, le gars. Il m'a même pas vu, cet idiot, je crois. Ah si. Hop, il est mort. J'ai gagné. Je sais pas si je prends sa dague. Donc lui, là voilà, il avait une pierre d'Agba. Je vais en garder une en guise de... Il y a un moyen de les buter, les mecs en armure. Ouais, mais je sais pas si j'ai le niveau, tu vois, Olive. Mais oui, tu... je pense que tu sous-entends par ruse. Il y aurait moyen de les avoir... par contre, le fait qu'ils soient bien lourds, il y a moyen de les... Par furtivité, tu verses de l'acide, un bon litre d'acide dans leur armure, ils sont foutus, quoi.
C'est l'horreur. Mais non, mais c'est pas grave. En fait, si tu veux, j'ai pas de... Tu vois que j'ai encore plusieurs chemins, dont le champ de force à faire sauter au niveau 4. Donc je me sens pas contrarié, tu vois. Attends, allez, la curiosité va me buter, mais... Quoi, c'est tout? Ah, c'est une passerelle de surveillance. Mais merde, faut peut-être que je mette la carte en haut à droite. Bah. Ce sont des adorateurs de la moitié. Hein, c'est plus simple que ça, lol, mais j'en dirai rien. Ouais, mais non, mais... T'inquiète pas, va. Non, je m'en fais pas plus que ça. Parce que... Non, je vais aller au quatrième sous-sol et puis je vais faire sauter le champ de force. Quelqu'un me dit d'autre, la miss. Je voudrais bien t'aider à te détendre et te faire passer un bon moment. Mais je ne suis pas sûre que tu sois assez riche pour ça. Oh l'autre. Je n'ai rien entendu. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il m'a fait, lui? Salopard! Ça, c'est un homme rat. Ouais, je dois être observé à distance parce qu'ils ont des super pouvoirs. Et le salopard, il m'a balancé une pique mortelle. Alors, je demande à voir si son poison va me tuer ou pas. Libérez-nous, gardien. La guerre. On avait bien besoin de ça. Libérez-nous, gardien. C'est bien, ils ont des intonations de voix différentes chacun. C'est malin. Non, ça a pas duré. Je suis quasiment en pleine santé. Vous seul viendrez à bout d'Adma. Ouais. Ah, leur superbe cuisine. Oh, le bordel. Bon, bref. Alors, attendez, je me promène un peu. Je vais aller du côté du roi. Donc ça, c'est le tunnel qui a été dégagé par les trolls. Qui ont accepté de nous donner un coup de main. Oh, attends, qu'est-ce que je vois? Ah non, j'ai cru que c'était... Oh, il y a un rat de mes deux. Mais va mourir, toi. C'est vrai que moi non plus, je ne me lasse pas de l'animation de mort des rats, qui est trop drôle. Ah oui, voilà, c'est la limite transition de niveau. Donc, ah, puis il y a la crypte aussi. J'aimerais bien aller dans la crypte. Il y a un mec qui apparemment qui est mort là-bas. Oh, tant de choses à faire. C'est enivrant, c'est beau, c'est magnifique. Le champ de force au quatrième sous-sol. Le champ de force au quatrième sous-sol. Bizarre. Qu'est-ce que c'est que ce... Il y a des moments quand j'entends le bruit de gnarf gnarf gnarf, je me demande si c'est pas un homme rat qui passe tout proche de moi en invisible. Mais vraiment. Quelque chose à m'apprendre sur ces rituels? Je vous ai dit tout ce que je savais, Amshagar. D'accord, d'accord. Et cette porte est étrangement fermée. Quatrième sous-sol. Est-ce que je peux rendre visite à la mère dont j'ai... Attends, oh la crypte, j'ai trop envie d'y aller. Mais j'ai pas la clé, je crois. Attendez. Non, j'ai pas la clé. Ouais, je vais aller dans la crypte.
Je suis sûr que je vais m'y éclater là-dedans aussi. Bonjour madame. Jetez un coup d'œil à mes coffres et servez-vous. Non, m'intéresse pas, je vais juste faire un brin de Cosette. Et je suis déchu. Alors attends, ça c'est des chambres. C'était quoi ça? C'est le commerçant que j'aime bien. Oui, c'est le commerçant que j'aime bien. Là, il y a un mec sous l'escalier rouge. Et on le voit, il est sorti. Ouais, ou sinon je me barre par... Est-ce que je tente de buter l'espèce d'arachnide? Est-ce que j'ai le niveau maintenant pour trucider l'arachnide sans qu'elle me zigouille? J'ai envie de faire le test presque, parce qu'elle est toute proche là. Elle est toute proche la vilaine bête. Attends, est-ce que j'ai la bonne arme déjà? Dommage 4. Dommage 6. Oui, bah vaut mieux que je me batte avec le sabre. Avec le sabre, je ferai beaucoup plus bobo. Oui, la petite retrouvée, tant pis. Je néglige le nombre de mes sauvegardes parce que là, dans les médias, je n'ai pas spécialement besoin. Mais... Attends, la sale bête, elle est où? Elle est là-bas! Je veux la... Merde, bah déjà, il y a un rat. Je vais me débarrasser du rat qui ne m'enquiquine pas. Voilà. Alors, la sale bête. Est-ce que je peux la confronter? Merde, pourquoi je cherche pas mon bras, moi? Pour le moment, elle m'a pas touché. Ah, elle m'a eu. Merde. Ah, je l'ai eu. J'ai presque fait un sans faute. Presque. Je deviens bon, hein. Y a rien sur son corps? C'est une grosse cochonnerie, c'est tout? Morceau de bois, un os. Alors attends, j'ai pas de potion de guérison de poison. Poison de soin, fiole de vin. Non. Ah, c'est bon. Elle m'a que légèrement mordu. Elle a merdé son... Alors, j'ai une émeraude à récupérer. J'ai des trucs pour faire de la potion. Et c'est tout? C'est juste un boss cadeau comme ça Bon. Si tu veux. Bah alors, j'ai la pioche. Je peux retirer l'émeraude, non? Bah, pourquoi ça marche pas? Attends, je m'approche. Ou c'est comme ça, peut-être? Non. Bah. Mais non. Là, je manipule la pioche elle-même, ça va pas. Bah. Je comprends pas. Ah, je peux déjà la prendre, en fait. Elle est pas... D'accord. Je sais pas pourquoi, mais je partais du principe qu'au sol, elle était déjà encastrée. Mais pas du tout. Alors, attendez. Il y a des fougères, il y a... Alors, ça peut aider à l'alchimie. Des fougères... Ouais, j'en ai pas tant que ça. Attends, je peux peut-être les prendre, celles-là. Merde, j'ai fait tomber à côté. 5, 6... 7. Oula, j'ai un bug de... Ah, je l'ai mise en lévitation, là, la peau fougère. En fait, j'ai réussi à la déposer physiquement sur moi-même. D'où la lévitation. Mais non, mais...
Oh, mais qui con. Nul, le mec. Et de 8. 9. Et 10. Voilà. Je vais pas en prendre plus, hein. J'en laisse sur place parce que... Parce qu'avec le mortier et ouais, j'ai pas de fiole d'eau, donc je peux pas. On est d'accord que si je fais ça par exemple. Ouais, j'ai de la poudre rose. Mais la poudre rose, je peux. Ah si, je peux la mettre dans le. Ah merde, mais il faudrait que je sois proche d'un. D'une source d'eau. Ah je finirais bien par comprendre le truc. Mais je suis en bonne voie de piger la, intégralement la mécanique de jeu. Là j'ai des champignons, est-ce que je les prends? J'en ai pas spécialement envie. Donc merde, il est déjà 11h, le temps passe à une vitesse, ça fait peur. Tac, 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 un mort, il y a des fougères, il y a un feu. Est-ce que j'ai des trucs à faire cuire? Je crois pas. Non. J'avais bien fouillé les tonneaux, je suis pas sûr. Ce tonneau n'a rien, ce tonneau n'a rien non plus. Non, ouais, non, j'avais fait la razzia. En même temps, ça aurait été débile de ma part de fermer les yeux sur du matos potentiel. Là, j'ai des nénuphars. Pareil, c'est un gradient de potion. Hop, 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 ce tonneau est vide. Forcément. Hop, chargement de la suite. Ouh. Je vais retourner au quatrième sous-sol. Là aussi, il y a des fougères. Oh la vache, il y en a partout. Attention. Ouais, 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 les salopards de Mra, là. On connaît un que je vais m'embrocher un de ces jours et je vais être abject avec. Alors, exploration, j'aurais pas dit mieux. Attention, la dissipation du champ de force, c'est pour bientôt. C'est dans le secteur... Et je vais pas m'en priver. Attends, c'était où? On s'y perd. C'est grand par ici. Ah oui. Toujours cette porte étrangement fermée. Ah. Oh. Attends, y a rien là. Je me méfie pour peu qu'il y ait un mec qui me suive.
Alors, dissipation. J'ai faim. Oui, bah tu mangeras après, au lieu de te plaindre d'avoir faim. C'est comme ça. Big York. C'est Big Yo? Non, c'est pas Big Yo. Big York. Ah si, c'est Big Yo. Bon bah... Yo. Merde, j'étais pas collé au truc. Ah! Ah non, j'ai cru un instant qu'il avait faibli. Non, c'est pas ça. Bi. Yo. Ouais. Bi. Je peux en faire combien? 6. C'est-à-dire qu'il y a des sorts très puissants, il faut faire 6 combinaisons. Bonjour FunFan. Oh mon dieu, c'est la folie. Mais, j'arrive plus à faire le yo. Attendez. Je vais réviser ma leçon de magie. Merde, je me plante. Mais non. Bah alors? Pourquoi j'ai pas réussi? Non. Bah merde. Bah, je suis mauvais ou j'ai pas assez de mana? Ah, je fais pas le bon sort, mais quel con. Je fais éteint toute flamme au lieu de faire dissipation de champ de force. On va y arriver. Ah, bipatio, c'est négation du barrage. Ok. D'accord. Voilà, j'ai annulé le champ de force. Merci. C'est quoi ce truc de grotte de naze? Bah tiens, je vais faire l'autre sort, c'est lumière. Merde, il n'y a pas de comburant ou de combustible à proximité. C'est moi ou un humain? Ah non, c'est une stalagmite. Bon, il a faim mon perso. Il va manger quoi? Il va manger du poisson. Parce que c'est ça qui est bon. Ah! Il m'a fait peur cet idiot. Je crois que l'endroit est interdit. Merde, je me suis fait démolir. Je me suis fait démolir. Alors, je vais faire un truc délirant. C'est-à-dire qu'une fois que j'aurai fait sauter le champ de force, je vais courir comme un dératé pour semer la panique. Ce sera drôle. Ou pas. Alors, attends, c'est là où il y avait la petite chambre de... Du sacrifice là pour les tordus. Merde, je suis pas au bon endroit. J'ai entendu un rat. Il y avait quoi pour là-bas? Je sais plus. Ah oui, là, il y avait le truc de téléportation.
C'est la même chose. C'est la vie de la vie de la vie. C'est la même notion. C'est la vie de la vie de la vie de la vie de la vie. Négation de champ de force. Merde, je sais pas le faire. Proprement. C'est ça. Alors là, je re-sauvegarde, mais je vais me faire démolir la tronche. Comment on va dire? Bon, bah oui, la petite a été sauvée, donc c'est cool. Fuite! Non, pas futé. Si, quelque part aussi futé, mais bon. Fuite! Fuite en avant! Fuite en avant, je vais l'avoir dans les dents. Alors, c'est là où la furtivité peut être sympa. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Bande de vilains. Vous êtes des gros mamiers. La vache. Putain, je me fais démolir. Ah, il y avait un niveau. Ils ont l'air d'avoir des sacrées installations, hein, les adorateurs du mal. Non, je vais être fou. Je vais y aller au forcing et je vais essayer de charger le niveau suivant. On va voir. Attendez. Ah! Putain, mais il fait peur. Ah, tiens, on va voir si le jeu est intelligent. Est-ce que les deux Gugus qui me poursuivent vont eux aussi passer de niveau? C'est pas dit. Non, le jeu est pas malin à ce point. Ça, ils ont pas programmé. Waouh. Et d'après la carte, je suis où en fait? Dans les enfers? Je suis au. Merde. Ah, je suis au sous-sol numéro 5. Non, je connais pas 6, 7, 8, mais... Ah, je suis au sous-sol numéro 5. J'ai jamais... Je suis jamais allé si bas. D'accord, là, je suis en enfer. Oh. Ah bah, ils sont pas très malins. Ah bah oui, tu m'étonnes. Oh, la vache. Ils m'ont bien déboîté, les gars. Et ils m'en veulent, hein. Ils m'en veulent beaucoup. Oh là là, la forteresse du mal, toi. Bon, bah, sans m'y aventurer, je vais laisser le champ de force désactivé. Je pense pas que ce soit si problématique que ça. Mais la vache, les salopards. Ils font mal, hein. Ils font mal. Non, là, c'est un cul-de-sac. Oh, le bordel. Ha, si seulement j'avais la clé de cet endroit. Réfléchissons. Donc je peux pas y aller en frontal chez les ennemis. C'est une hérésie. Même une infiltration, j'y crois pas vraiment. Ou alors il faudrait que je boive à mort plein de potions d'invisibilité, sachant que la furtivité n'est pas mon point fort. Ça m'aidera à pas grand chose. Moi je suis fou. Ça c'était un piège, c'est normal. Il n'y a plus rien dedans. Ça c'était la porte de quoi ça? Eh, attendez. Attendez, je me souviens pas.
Je crois pas avoir essayé de forcer la serrure de cette porte. On va faire un test. Oui, non, là franchement, mes noms de sauvegarde ne veulent plus rien dire. Mais bon, bref. Qu'est-ce qu'il dit ? Trop complexe pour moi. Ah merde, il est trop débile. Ah merde. Ah, je suis pas bon en mécanique. Donc je l'ai dans l'os. Réfléchissons. Et dire que les gobelins, maintenant je te les déchire en deux. La bonne blague. Les gobelins, je te les déchire en deux. La violence est absolue pour eux. Nye. Ah, le premier prêtre que j'ai assassiné ce matin. Il y a un plastron sur lui. Il va manger quelque chose. Oh, l'autre, il a faim. Mange qu'à bouffer. Allez, mange du poisson. Tant pis, je m'y perds, moi, dans ces couloirs. Alors pardon, je fais clignoter la carte, mais vous voyez, j'essaie de faire un bond en avant. Voilà. Et là, j'ai un... J'essaie de faire le jeu de plateforme. J'ai dit j'essaye. Je m'en sors pas trop mal. Oh, attends, faut tolérer les bugs de collision, il y en a. Ouais, une fois que je suis là, je fais quoi? J'ai l'air un peu nunuche. Ah, c'est en face que ça se passe. Oh là là, c'est dur. Merde, je suis tombé. Dommage, j'y étais presque. Honnêtement, après, je vois pas où est-ce que je devais aller. Ah si, en face. Ah, attendez voir. Allez, on va se faire un peu de gym. On va se faire un peu de... Il y a un parcours, hein, ça se voit. Ça se lit. Voilà. Ok. J'adore les gémissements du héros. Hop là. Ok. Pourquoi j'entends des rats? Ça me rend fou. J'en entends et je les vois pas. Ah! J'ai découvert quelque chose. Il y a une salle... Exploration, exactement. Il y a une salle surélevée. Que dissimule-t-elle? Une grosse merde. Pardon, c'est un arachnide. Il va mourir. Avec quoi? Il y a un rat qui cohabite avec une araignée. Vous êtes sérieux, vous? Voilà, c'est bien. Elle n'a pas le temps de me mordre. Elle m'a pas croqué. Alors, je pense que le squelette, c'est la récompense. Ah, il y a une suite. Oh, je peux continuer à me barrer. Alors, allumons la lumière. Il y avait une torche que j'ai vue, non? Qui n'était pas allumée. Non, il n'y a pas plus de torches. Attendez, il y a celle-là. Y a... Ah non, il n'y a pas plus de... Ah si, il y a une torche là, mais bon, je m'en fous un peu, quoi.
Ou alors j'allume ma torche là et puis... Allez hop. Que la lumière soit. Brr. Alors le tonneau. Miche de pain, je la mange. Fiole de vin, ok. 3 miches de pain et 3... Hop là, réquisition de torche. Voilà, je me fais rembourser de ma torche actuelle. Vous, normalement, vous devez vachement bien voir ce que je suis en train de vivre, là. Ah, il a 2 torches, il a 83 pièces d'or, il a une potion de soin et il a 1 miche de pain. C'est le bonheur, je dis oui. Alors, je re-sauvegarde et visiblement, il faut que je me repromène à la ninja sur les hauteurs. Ouais, mystère. Mystère avec boule de gomme. C'était là hein, qu'il fallait sauter. On dirait un piège. C'est bizarre l'installation. C'est saugrenu. Alors, une fougère, oui, d'accord. Ben, je la fais tomber la fougère. Mais non, mais je l'avais pas sur moi, mais je la fais tomber, je la récupérerai une autre fois. Tiens, c'est bizarre, je peux pas la lancer. C'est con. Ah bah là, elle est perdue, la fougère. Je suis parvenu à la lancer à un endroit totalement... Ah, ça me parle, ça. Magnifique. Ouh, ça sent l'arachnide. Je sens qu'il va y avoir une grosse bestiole. Ce cadavre ne contient absolument rien. Ah, il y a encore une torche allumée. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Alors que je remets la carte en haut à droite. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais avoir accès à un niveau inconnu. Wouah! Alors j'espère que l'environnement va pas être hostile. Que je puisse me promener un peu à mon aise et être récompensé de mes... De ma progression du jour. Ah, parce que c'est chaque éban. Mais... Ah merde, je suis allé dans le sens contraire. Pardon, je revenais sur mes pas. Oh, mais c'est un piège, ça. Voilà, j'ai mis la main sur le piège de feu. Mais je suis passé par la cheminée. Oh. Wouhou. Oh, je serais pas chez les femmes serpents, là. Alors, les beaux endroits bien sculptés, bien décorés sont rarement des endroits sympas. Elles m'ont bien fait comprendre que j'étais pas le bienvenu. Mais juste un peu. Elles sont sorties toutes en même temps, elles m'ont explosé, c'est bon. Ah ! Soupir. Bon, tout doux le sort. Hé ! Attends, il y a un truc que j'ai pas fait. Je pouvais peut-être essayer de lancer un projectile sur leur piège, histoire de pas me le manger. C'est peut-être un truc à faire. Donc attention, les femmes serpents qui sont pas délibérément chez les hommes, elles sont vilaines. C'est fermé. Tu m'étonnes. Ah. J'ai tout ouvert. Tant qu'elle me voit pas, hein, moi j'en profite. Hein. Oh Mazette! Une potion. Alors là, il y a des trucs que je connais pas. Révélation, lévitation et négation de champ.
Merci les femmes Sherpans. C'est fermé. Alors, je vais essayer de... Attends, je saute pour voir s'il n'y a pas un truc sur les trucs du dessus, les étagères. Ma torche est éteinte, c'est pas grave. Par contre, je vais être très vilain. C'est-à-dire que je vais forcer la serrure du coffre. Trop complexe pour moi. Merde. Je peux pas ouvrir le truc. Bah tiens, tant pis, je vais me sacrifier, on va rigoler. Je vais... La 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 la. Oh. Ah, elles sont pas malines. Ah si, elles sont malines. Elles savent ouvrir leur propre porte. Non, mesdames. Non, mesdames. Oubliez-moi, mesdames. Oh merde, je peux pas les enfermer, con. C'est beau chez vous. Je visite. Merde. Oh merde. J'ai merdé l'interrupteur, vite. Ah bah c'est la grande reine là en rouge. C'est moi ou elle se patate entre elles. Et là il y a un labyrinthe de je sais pas quoi. Tiens, ça mène où ça? C'est les grottes de... Oh, il y a un homme rat. Oh, il y a des choses. Qu'est-ce qu'un homme rat vient faire ici? Ne me dis pas que les femmes serpents sont associées aux hommes rats. Alors que je m'encastre dans le... Serais-je en train de découvrir des choses à l'avance que je ne devrais pas découvrir? Je crois. Merde, araignée, dégâts. Oh, je lui ai marché dessus. Littéralement, j'ai piétiné la... Voilà, c'est sombre. Littéralement, j'ai piétiné l'araignée. C'est quoi ça? Ah, c'est une pépite de fer. Mais dégage, Laura, dégagez les vilains. Pourquoi j'ai vu un homme rat à la sortie des femmes serpents? Ah, t'es qui toi? Vilain rat. Ah, il s'est barré. Là, ça sent le passage secret. Merde, c'est verrouillé, je peux rien faire. Qu'est-ce que c'est que ce... Oh merde. Il y a de ces trucs. Là, il y a une masse d'armes. Là, j'explore l'interdit, là. Non, mais elle m'a eu. Je suis mou. Là-bas, il y a les femmes serpents. Là, il y a un feu, il y a un rat. Putain, j'ai 50 rats contre moi, quoi. Non, mais je vais crever obligatoirement, mais... Putain, l'otarie, elle est là. Ça, c'est quoi? Un truc de mine, il n'y a rien derrière. Quand je vais recharger ma partie, ça va être violent. Là, il y a quoi? Ah, je sais pas, il y avait un bijou. Mais... Je sais pas lequel. Tellement... Non, là, je me fais acculer. Là, je vais me faire bouffer. Là. Non, bah là, il y a rien. Là où on voit l'intelligence du jeu, c'est que les ennemis connaissent bien leur chemin et vous coursent. Ça a le mérite d'être cohérent ce niveau-là. Oh là là, il y a des héros qui sont morts ici. Mais laisse tomber. Il y a plein de trucs à récupérer sur leur dépouille. Là, j'ai vu des pièces d'or, une arme, potion, je sais pas quoi.
Eh, vous allez voir que je vais survivre à mon... Je vais survivre à mon... À mon infiltration foireuse. Et du coup, je suis où? Attends. Ah, je suis revenu dans le niveau où j'ai... Non mais, hey, le sous-sol là, c'est vraiment le sous-sol du mal. Il y a de ces trucs. Ah oui, alors là, il y a un bug de modélisation. La flamme est un mètre au-dessus de la torche. Tout va bien. Ah, si un modérateur pouvait me botter le cul à Margaret, s'il vous plaît. C'est un robot de pub en anglais. Ce serait apprécié. Merci de la modération. La Margaret Thatcher cyberpub. Merci. Bien joué. Merci, FunFan. Merci, t'es un chef. C'était les femmes serpents qui me l'envoyaient, les vilaines. Je dis n'importe. Incroyable! J'ai survécu à mon merdier et à mon périple chez les femmes serpents. Je pensais pas revenir en vie. Putain, c'est fou ça. C'est fou. Active monitoring. Ah oui, tu surveilles. Ouais. Tu surveilles l'intéressé qui sème le trouble. Bon, bah, petit à petit, je récupérerai ma vie. Faudra que j'en mange un morceau. Ouais, je vais remanger une miche de pain. Allez. Ah, quel bordel. Mais il y avait un truc dans la flotte, moi. Oui, attends. Oui, je l'avais fouillé ou pas? Il avait une canne à pêche. Je sais pas. Peut-être marcher, le fait de pêcher. Pardon. Ouais. Je récupère la canne à pêche du malheureux. Ah oui, il y a une serrure dans le mur, on voit que c'est au niveau des textures. Il y a une serrure, je sais plus où, là. Mais on est bien d'accord, j'ai pas la clé. Attends. Merde. Non, j'ai pas la clé. Qu'est-ce que c'est que cette porte de mes deux là? Je présume que je peux pas faire sauter non plus là. Je ne peux pas faire ça. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Alors là, pour le coup, il m'a pas compté le... Donc c'est cool. L'usage de l'outil. Oh la vache, même la torche là, elle est pas allumée. Donc... Oh, j'avais pas récupéré son... Oh, pff, cette pièce d'or, tu parles. Mais c'est vrai que j'avais pas récupéré son... Ouais, bouclier de bois, à moitié pété. C'est vrai, je l'avais déboîté, le gars. Le gobelin. Les vilains gobelins. Là, il y a un niveau que je connais pas, je crois. Ouais. Et il y avait des trolls, par contre. Les trolls, ils sont balèzes à trucider. Là, il y avait aussi un truc. Ah oui, ça dissimule une serrure. Attends. Merde. Voilà. Et normalement, j'ai pas la clé. Tu m'étonnes. Oh, les 40 000 secrets d'Arx Fatalis. Un jour, vous seront révélés. Je dis fuite, oui, je dis nimp.
C'est impossible. À ce point ? C'est, je peux même pas... Impossible ! Oh là là ! Ah oui, c'est le rocher là qui bouge. Foutue serrure de mes deux. Un jour, j'arriverai à les avoir, les salopards. Merde, je suis bloqué dans le... Voilà. J'ai fusionné avec le levier, moi. Donc du coup, je pouvais plus bouger. Attends, il y a un cadavre, là. Ah ! Il y a des pièces. 4 pièces d'or. Oh bah, il était pas riche, le mec. Mais qu'est-ce que c'est que cet anneau que j'ai volé aux femmes serpents, moi ? J'ai un anneau complètement craqué. Je sais pas ce que c'est. Si je le mets alors que je l'ai pas identifié, j'aurai rien comme gain. Je présume. Hein. Attendez. Je prends le risque de porter un anneau dont je sais même pas à quoi ça sert. Ouais, non, j'aurai pas le gain. Je sais pas. Ciao, Mister et boule de gomme. Alors, est-ce que j'essaie de me frotter? Il y avait des trolls qui étaient vénères. Normalement, je suis en paix avec les trolls, mais eux étaient pas d'accord. À croire que eux aussi étaient de mèche avec les méchants. Et ils vénéraient le mal. Attendez. Ouais, je sauvegarde vite, parce que s'ils me voient, ils vont me casser la figure. Baston, je crois qu'elle va s'appeler cette sauvegarde. Castagne. Castagneux. C'est rigolo. C'est rigolu. Surtout que ma santé est pas au top niveau. Je suis un peu débile. Zex de Citron dit... J'ai fait ça une fois dans Final Fantasy VIII. Ouais, ils disent ennemis, ils veulent me casser la figure. Attendez, je me barre parce que... J'ai pas la santé à fond, donc ça sert à rien. J'ai fait ça une fois dans Final Fantasy VIII. J'ai utilisé un anneau, donc je connaissais pas l'effet. Boum, quand tu l'actives, combat de boss. En fonction de ton niveau, au moment où tu l'actives, tu peux te faire pulvériser. Ouais, je sais pas, on verra. Mais c'est risqué, hein, c'est sûr. C'est risqué. Alors, vous savez quoi? Je vais honteusement vous faire attendre là que ma santé remonte tout doucement. Je vais en profiter pour préparer ma marmite de flotte. J'ai envie de manger des pâtes ce midi parce que comme la semaine il va faire chaud, ça va me couper l'envie d'en manger. Donc moi qui crève d'envie d'en savourer rapidement, je vais me faire les pâtes stratégiquement ce midi avant qu'il refasse chaud, que j'en ai plus envie toute la semaine. Je reviens dans 2 minutes, hein. Excusez-moi. C'est l'instant observer ma jauge de vie qui remonte tout doucement. Avant que j'aille me confronter aux trolls.
pensais bien, c'est l'occasion pour moi de d'aller aux toilettes, me laver les pattes, et c'était pas désagréable. Alors, ah bah, hey. On a attendu, mais ma jauge de vie est pas complètement à fond. Mais vous en faites pas. Je vais retourner dans ce niveau-là et sauvegarder juste après. Pardon, je bouge trop la souris là. Excusez-moi, l'effet Gerbotron n'était pas rapide. Oui, bah rapide, oui. Je cours pas pour autant, hein, c'est. Alors attendez. Échappe. Il y a un premier troll qui arrive. Alors, s'il me met le grappin dessus trop vite. J'ai dit castagne. Voilà, allez, c'est parti. L'action, c'est maintenant. Ah, ils font mal, hein. Vache. Merde. Ah, il va m'avoir, je le sens. Ah, j'ai du bol. Alors, attends. K.O. Il a quoi? Une amulette des trolls. Ça vaut sûrement de la thunasse. Attends, je peux peut-être me cacher. Le problème, c'est qu'il faut encore que j'attende ma résilience, c'est-à-dire que mon perso revive. Voilà, je mange deux trucs de miche de pain pour gagner un peu de vie. Je sais pas si boire du vin est une bonne idée, mais bon. Ah oui, j'augmente ma vie. Oui, bah le troll, il est mort. Attends, je suis tenté de repartir dans mon niveau précédent. Faire autre chose. Alors quoi, je sais pas, mais... Alors, je vais peut-être vous pas être tordu, mais je suis en train de me dire si j'essaie de réaccéder à la chambre des femmes serpents via la cheminée. Vu le bordel, le zouk que j'ai occasionné, peut-être que j'aurai un peu plus le champ libre. Peut-être. Ce serait énorme dans la vie du jeu, ce serait de surprendre quelqu'un qui utilise la porte. Et que je puisse le suivre sans me faire repérer, ce serait génial en infiltration. Mais non, là, je suis en train de douter en fait. Alors, est-ce que j'ai sauvegardé? Je crois pas. Ça, c'est un niveau que je connais pas. Hein. Exploration. Oh! Qui est mort. Une épée longue ornementée. Extra dommage. Oh la vache. Ah mais je peux pas la prendre, j'ai plus de place. Attends. Ah si. Si si si. Et je peux la manipuler ou pas? Ah, je suis en droit de la manipuler? Ah! C'est intéressant.
C'est intéressant, j'ai gagné une super épée. Je sais pas, je sais même pas dans quoi je vais enregistrer, j'y vais à la... Parce que si je me barre, l'autre il va me voir. Ah, tu me diras en même temps. Ah oui, mais... En fait, le mec, il garde la porte. Hein. Il y a pas 50... Là, avec un peu de chance, il m'a pas vu. Mais non, mais je suis obligé de lui passer à côté. Bah oui, il m'a vu. Non, mais alors, à moins que l'épée soit extra. Merde. Allez, charge l'attaque, patate. Oh, magnifique! Mais elle est géniale, cette épée! Elle est trop bien! Oui! Victory! Bon, bah, on continue l'exploration. Je lui ai mis sa misère à l'autre. Elle est trop violente, l'épée. C'est une épée anti-troll. Et c'est ça qui est bon. C'est dommage parce que le roi des trolls, je l'aime bien. Donc je m'en veux de patater les siens, mais bon, c'est des vilains, donc... on va dire qu'ils ont changé de camp. Oh, je sais pas où aller tellement qu'il y a d'endroits. J'entends des bruits. Bon, j'entends surtout la combustion des torches sur les murs. Merde, il m'a vu, lui. Oh merde, ils sont nombreux. Ouf, il m'a pas touché, j'ai du bol. Toi mort. Suivant. Allez, vite, charge le coup. Double dommage. Allez, vite. Aïe. Allez, charge le coup, patate. Oh, j'ai du mal parfois. Le jeu suit pas toujours ma volonté de patater. Wouh! Oui, il y a des bons et des mauvais trolls, ouais, je confirme, aux Exocitrons. Mais alors, ceux-là, ils sont... Normalement, dit Olive, tu as pas besoin de les buter, enfin bref. Je sais pas pourquoi ils t'attaquent comme ça. Bah, parce qu'en fait, j'accepte, si tu veux, un sous-sol... qui est normalement entre guillemets du côté des méchants. Donc là je suis dans une zone troll où je pense que le roi a plus d'influence. J'espère que ça va pas niquer mon comment dire, ça va pas fusiller mon la narration plus tard, mais ils veulent en découdre hein, ceux-là, je suis désolé. Je peux pas cumuler les amulettes de trolls les unes sur les autres. Elles sont tellement grosses que... Oh merde. Ouais mais là j'ai plus de place là dans l'inventaire. Faut arrêter le délire. Faut arrêter le délire. Pff, wow, faut que je me trouve une caisse je sais pas quoi pour ranger les amulettes de trolls. C'est nul. C'est nul. Je pense pas, je sais pas. Je dois me gourer de niveau lol. Ouais, ouais. Oui, il y a un niveau avec le roi où les trolls sont adorables avec les humains. Et tu papotes avec eux. Mais le sous-sol, là, non. Je pars du principe que je suis dans les sous-sols du mal. Là où il y a la secte et son influence. Donc, ils peuvent... je pars du principe également que la secte, elle peut influencer toutes les races. Tu sais, toutes les espèces, toutes les communautés. Et... Elle a des troupes, on va dire, cosmopolites. Il y a un peu de tout dans les troupes sympathisants de la secte. Et là, je suis dans les trolls méchants. C'est mon interprétation. Hein. Donc,
Alors, la dépouille du malheureux va me servir de range amulette de troll, là. Vu que chaque amulette bouffe une case et que je vais éviter de m'encombrer de ça. Il va garder les torches aussi parce que j'en ai 12, 10 suffiront. Là, il y a une gemme. Bon, je vais la ranger là. L'émeraude aussi. Je reviendrai plus tard la prendre. Bon, la pierre d'Akba, je vais comme la garder sur moi, on sait jamais. La potion en cours, je vais la ranger dans le... Voilà. La canne à pêche aussi, je vais pas m'amuser à pêcher pour le moment, on verra ça dans un autre épisode. Bon, les parchemins, je vais les garder sur moi, on sait jamais. Alors, lui, je l'ai fouillé, on est d'accord, il est mort. Mais généralement, tous les trolls n'en ont que des amulettes sur eux, visiblement. Ouais, lui, il a plus rien, je l'ai dépouillé. Il y en avait un autre, je crois, non? Ah, non. Ah. Je suis au fond d'une mine troll et il n'y a plus rien. Là, il y a un mort... Enfin, restant de squelette cadavre. D'accord. Ça fait ossuaire. Le pire, c'était peut-être les dépouilles des anciens nains qui avaient creusé ces lieux. C'est horrible. Ils sont en train d'excaver la... Quoi ? Salopard ! Salopard de Mra ! De temps en temps, il passe me voir pour me planter un coup dans le dos. M'en fous, je l'ai biffé une fois, là. Donc, c'est bien fait pour sa tronche. Oh, merde, il y a un rat qui me... Il va mourir, toi. Ouais, il y a des côtes de rat dessus. Ouais, ouais, je vais même pas les prendre, parce que... J'ai trop de bouffe, en fait. Là, pour moi, c'est la richesse. Alors, il y a plein de pierres. Je peux... Ah, une pépite d'or incrustée dans la roche. Ouais. Je vais pouvoir récolter des roches. Là, il y a une torche qui n'est pas allumée. Merde. Il n'y a personne là-bas. Bizarre, je vois comme une animation de... Ouais, il y a... Ah si, il y a quelqu'un là-bas. Il y a quelqu'un qui fait du feu. Mais... Oh non, mais... Oh, j'étais à poutre. Voilà, voilà. Du coup, j'ai un bug de souris, c'est génial. Ah! Attends, c'est pas... C'est pas un levier. Pourquoi elle s'allume pas, elle? Bon, elle veut pas, je sais pas pourquoi. Elle, elle veut bien. Ah, elle, elle veut bien. Bizarre. Oui, c'est étrange, Olive, t'as vu? Bon, il y a un mec là-bas qui est... J'espère que c'est un copain et pas un ennemi. Putain, mais j'y arriverai pas, hein. Ah, quand ça veut pas, ça veut pas. Non, ça veut pas. Ils ont peut-être oublié de le programmer dans la modélisation 3D. C'est qui, eux? C'est... J'ai l'impression que c'est des gobelins. Qui? Voilà. Nom de la sauvegarde. QI. Qui? Qui est-ce? Que font-ils? Ouais, je ne sais plus. Ils m'ont peut-être pas vu, ils disent quoi? Faites-vous
que eux sentir poisson, eux stupides. Si toi tuer eux tous, nous récompenser toi avec or. Nous avoir trésor caché. Je vais y réfléchir. Ah, je suis invité à décimer tous les gobelins. Ouais. Bon, bref. Encore des histoires de conquête. J'ose pas dire diplomatie parce que c'est pas le bon terme, mais... Ah, aurais-je trucidé tous les trolls du niveau ? Là, j'ai une ivresse de liberté de circulation assez grande. Quoique je suis pas allé partout. Non, loupé pour ta prise. Oh, mais il fait trop sombre. Torche, ouais, parce que là, je vois plus rien. Ah. Là, il y a un truc. Là, il y a un rat qui me les brise. Bleh. De quoi? Encore? Et rebrè! Oh! Qu'est-ce que... C'est quoi ce truc? C'est un truc de magie, ça? Bizarre. Non, t'es pas obligé de buter tous les gobelins, juste un petit groupe, lol. Vais me réchauffer, faire manger, heureux. Oui, heureux, Olive. Fais donc. D'ailleurs, faut que je garde un œil sur mon horloge pour vérifier la chauffe de mon eau. Ah, là, il y a un truc, là. Là, je descends dans les ténèbres. Alors là, je peux faire ma bouffe. Virtuellement parlant. Oh. Voilà. Bizarre, on dirait qu'il y a un truc. Ça, c'est vers un autre niveau, ça. Ah oui. Mais lequel? Encore chez les femmes serpents? Non. Les femmes serpents, c'est du délire. Ah oui, il y a une poule là. Ouais, là il y a des herbes. Là, ah, mais je reviens où j'étais. Oh là 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 là. Ah oui, non, mais l'autre il me suit. Y'a pas de doute, il veut en découdre. Voilà, double dommage. Lui, il est pas prêt de revenir à la vie. Ha ! La poule toute fière sur le rocher. Elle est bonne. Alors là, il y a un foutu levier. Alors attention, les femmes serpents sont toutes proches. Bon, toi, je vais te... Merde, j'ai loupé. Oh, t'es chiant, toi. Tu m'as loupé, abruti. Ah, il y a une échelle. Vraiment ? Comment ça, cuir. Ah, l'homme rat était de retour. Merde, j'ai perdu ma torche. Ah, il est en bas, hein, apparemment, l'homme rat. Il veut... Ah, c'est qui? Oh! Un sabre non identifié avec une aura magique. Un capuchon en cuir sombre non identifié. Oh, bonne mère. Le nonos,
Le nanos, je vais lui laisser parce que j'en ai pas besoin. Alors une torche encore. Non mais l'homme rat, si j'arrive à l'allumer, il va pas comprendre. Je me demande si j'ai pas un intérêt à le trucider, lui. Attendez, je vais sauvegarder, je vais lui sauter dessus, je vais y aller en frontal, et je vais lui démonter sa face. Castagne. Je vais lui refaire son portrait à celui-là, il commence à me gaver sévère. Ouais, viens ici, salopard. Ouais, non mais il va finir par crever avec moi. Merde, il y a une femme serpent qui m'a vu. Alors ça par contre c'est plus embêtant. Attends. Hop là. Re-Olive. Elles sont chiantes. Putain, il y a une échelle là-bas aussi. Alors, les femmes serpents, je sais pas si je peux les buter. Je crois pas. Attends, je vais essayer de me la faire. Excusez-moi du coup. Aïe. Ouais, leur foutue sœur fait mal. Ah, elle est morte. Il est où l'homme rat? T'es où, salopard? Approche, si t'oses. Apparemment, il n'ose pas. Il commence à me redouter. La femme serpent, elle avait un collier. Ouais. Je sais pas quoi faire, honnêtement. Je sais pas quoi faire. En même temps, tuer pour tuer n'est pas une bonne solution, parce que je risque de péter la narration. Arrivé à un moment, si je dessine tout le monde, ça va pas, quoi. Donc, je suis embêté. Ah, l'homme rat, si j'arrive à lui faire la peau, franchement, ça va être la fête. Bordel. D'ailleurs, j'espère que j'ai déjà pas condamné le scénar, tu vois. Je sais que par exemple, la chef des femmes serpents en rouge, faut pas que je la bute. Puisqu'elle est évidemment l'interlocutrice première du roi et des autres espèces. Mais. Merdoum, quoi. Allez, torche. Parce qu'on n'y voit plus rien. Ok, bordel. Ah oui, alors ça, c'était quoi ici? Mais c'est un humain? Qu'est-ce qu'un humain vient faire? Qu'est-ce que... Bienvenue, étranger.
Mon nom est Mopac. J'achète et je vends de nombreux objets. Prenez ce qui vous intéresse. Si vous voulez me vendre quelque chose, placez l'objet dans mon coffre et je vous ferai une offre. Oh là là, il en a des trucs. Anneau de Darka, protection contre la magie 20. Ouais. Une épée de destruction. Oh, bonne mère. Alors, Zex de Citron pose la question. Il peut y avoir plusieurs types d'embranchements scénaristiques en fonction de tes choix ou actions. Alors, la question, je la soumettrai plutôt à Olive qui tue, qui connaît bien le jeu. Moi, je suis pas sûr, mais bon. Mmh. J'aime bien la tête du... Wouah ! Wouah ! Il a des runes, le gars. Ah, faut que je lui achète 6 runes, mais il me reste à peine plus de 1000 sous. Ah, bonne mère. Négation de champ, révélation, lévitation, télékinésie, boule de feu. Repousser les morts. Oh la vache. Enchantement, désactivation de piège. Potion de soin, potion d'invisibilité, potion de mana. Mmh. Mmh. T'avais l'air inquiet sur la mort de certains trolls. Bah, il faut pas que je zigouille, si tu veux, les chefs de faction, parce que il y a quête et interaction entre eux et leur communauté. Les sbires, les sous-fifres, je dis pas, je pense que je peux les trucider sans qu'il y ait trop de... De... Que je casse pas le scénario, compliqué. Si tu veux, le déroulement de l'intrigue. Mais c'est jamais innocent de partir sur le registre de la violence à tout va. En général, tu finis par condamner ta partie et tu peux plus avancer après. Oh, est-ce que je lui vends des trucs à ce mec? Le collier, oui, je peux lui vendre. Ça me libère une cage, j'en ai rien à péter. Alors, Yves Kitu dit, plusieurs types d'embranchements de scénario, non. Mais bloquer le scénar en butant tout le monde, ou en explorant trop d'endroits, oui. Ah merde. Même l'exploration, faut peut-être que je me calme, alors c'est dire. Ok, merci pour les infos, oui. Ouais, après... Non, je lui achète un... Mmh. Un que j'ai pas, ouais. Allez, j'achète ça. Ah ! Rien qu'en achetant ce sort, enfin cette rune... J'ai appris quoi? Je sais toujours pas ce que fait mon anneau. Ah, ça c'est nouveau. Augmente la vitesse de la cible du sort. Oh. Permet au lanceur de sort de se déplacer par lévitation. J'ai appris la lévitation. Trop bien. Paralyse la cible. Waouh, trop cool. Dresse un mur. Non, mais ça, Ah, il y a un nouveau truc. Paralyse toute cible présente dans le périmètre. Waouh. Tu te prends pour qui? Je peux faire un 1, 2, 3 soleil à tout le monde. C'est juste énorme le jeu. Tétanie pour tout le monde. Ah. Ah oui, non, c'est ça. Oui, c'est son parc à cochons. Ouais, je vais... Oh, c'est quoi le mort au-dessus? Wouh, c'est pas rassurant du tout. Ah, c'est la caserne? T'es qui, toi? Bienvenue, voyageur. Ici, vous feriez mieux de parler à mon frère. Ah, c'est le frangin du marchand. D'accord. D'accord. Ok. Eh bien...
Alors après, je suis paumé. Vite, torche. Alors, il y a... Attends. Eux, c'est des gentils ou des méchants? Gros poisson. Le mien plus gros. Que faites-vous ici? Nous, être clan de l'eau. Vivre ici parce que pouvoir pêcher poisson. Mien être plus gros. Nous détester, clan de la terre. Pourquoi? Parce que eux, mangeurs de rats, ça pas bon. Poisson bon. Si toi tu es eux, nous donnez-toi grand objet, très magique. Grand magie poisson. Objet avoir appartenu à grand sorcier avant. Grand sorcier poisson. Je vois. Ouais, c'est mon choix. Soit j'ai de la thune, soit j'ai un objet magique, quoi. Ouais. Ouais. Ils sont marrants avec leurs animations. Clan de la terre, pas bon. J'ai pas pris ma canne à pêche. Oui, je fais fuir ton poisson, je suis désolé, mais je vérifie si... Ouais. Bah dis donc, je sais pas d'où vient le poisson, mais la mare va vite être épuisée. Hein. Alors que les rats à bouffer, il y en a plein. Hein. Je crois que mon choix est déjà fait. Hein. Mais bon, bref. Alors attendez. Attendez, je crois que je reviens sur mes pas là. Merde, j'ai pas remis la carte, pardon. Ça m'aide moi et vous aussi à comprendre où est-ce que je vais. Ah, là il y a une torche qui est pas allumée. Oh merde. Qu'est-ce que j'entends? Oh, je vais avoir un gros souci, je crois. Attends, c'est moi ou les gobelins attaquent les trolls? Sérieux? C'est quoi ce délire? Ouais, mais toi, te faire patater par je sais pas qui, c'est trop bizarre. Ah. Alors, troll, se faire patater par gobelin dans le dos. Mais c'est pas vrai. Champion. Merde, je sais pas où il est. Allez. Voilà, j'ai tranché en deux le mec. Oh, Burke, il avait un spasme de... post-mortem, quelle horreur. Qu'est-ce qu'ils ont tous été excités à donf ici, c'est pas croyable. Allez, retorche. Lui, il avait de la tunasse. Ouais. Ouf, lui, il est joli, encastré comme ça. Alors, le collier, je vais bien le shipper, mais leur truc troll, je finis par en avoir marre. Mais bon, si à un moment je déambule dans les couloirs et... Alors lui, il est gentil, il est quoi? Yeah, toi. Non, bon d'accord. Oh! Fatality! C'était Mortal Kombat. Oh la vache, la violence. Ah!
Ah, ça peut être sympa une corde, mais c'est pas maintenant que je vais la récupérer. Oh la vache. Je me faisais la remarque, disait Ex de Citron, jouer un jeu au début des années 2000 quand on a des jeux comme Baldur ou Starfield qui viennent d'arriver, ils n'ont toujours pas vraiment révolutionné la roue. Ah, Ouais. Mais... Non, le point fort d'Ax Fatalis, en fait, si tu veux, le premier point fort, c'est le coup de, d'avoir pensé la magie à la souris, tu sais. T'es obligé à faire des glyphes comme ça. C'était génial. Le jour où j'ai découvert le jeu et que je me suis amusé à faire ça, j'étais hilar. J'ai dit, mais c'était trop bien, quoi. Et c'est vraiment malin. D'ailleurs, c'est con, mais... Il n'y en a pas beaucoup qui ont... La Jade approuve tes propos, Zex et Citron. C'est dommage d'ailleurs que l'idée de ça n'ait pas été reprise là. L'idée de la magie à la souris levée. Alors, Baldur's Gate 3, j'attends une baisse de prix. Ouais, bah ouais. Ah! Ah! Ah bah merde alors, il y a une serrure avec une porte. Merde, je suis n'importe quoi moi, pardon. Au-delà de 40 boules, c'est comme. Oui, c'est du scam. Ouais, bah ouais. Ok, un jour j'aurai une clé, je pourrai faire sésame, ouvre-toi et passer à un endroit étrange. Mais ce moment n'est point venu. Voilà, comment qu'ils sont fait défoncer eux. Alors, les torches, autant que je les allume, ça fera une ambiance. Merde, j'ai merdé. Mais, ça y est, j'ai la souris qui me lâche. Oh non, mais non, mais... Mais, je vais y arriver, Croc. Oh, mais c'est nul, ça marche pas. Je suis déception alors que ma torche vient de me lâcher. Quoi? Ils ont commencé à creuser un escalier mais ils ont arrêté en fait. Ils ont renoncé. Là ça mène à... Ah! Il y a une salle de téléportation. Et je peux pas activer comme ça là. Attends, Olive. Attends, je vais te lire quand j'aurai essayé un allumage. Mais ça marche pas comme ça, je crois. C'était plus complexe que la femme serpent avait voulu m'apprendre. Alors, Olive dit, après, on parle d'un jeu créé par une ancienne petite boîte française qui a plus de 20 ans. Hein. Oui, ouais, ouais, non, mais ils avaient du mérite. Ils avaient du mérite. Non, c'était trop bien. C'est pour ça que je faisais Cocorico. C'est le titre, il est trop bien. Merde, je m'en casse dans le... Merde! Mais je suis encastré dans le décor! Non! Non! Panique! Panique on board! Je peux plus bouger! Non! Allez, débloque-toi, cochonnerie! Oh non, merde! Brr. Au secours, je suis encastré. Ah, ouf, je me suis libéré. Oh non, là, il n'y a plus rien. C'est ambitieux comme type de projet, respect. Ouais, bah ouais. Donc, là, il y a une salle de téléportation. Ah, je suis deg de pas pouvoir allumer les torches. Ouais, ça veut pas. Hein. Ouais, ils ont oublié de le programmer. C'est couillon, mais... C'est couillon, mais c'est ça. Ah bah, je reviens à la... Mais oui, mais non. C'est pas ça que je veux faire.
non, je... Qu'est-ce que je fais? Je remonte. Attends. Posément, la carte des lieux dit quoi? Il est vrai qu'il y a un endroit, je suis pas allé à fond en fait. Mais l'endroit est loin. Hein. Donc j'étais arrivé par ici. C'est quasiment traversé en diagonale le truc. Là j'ai... Alors il y a un truc à côté, mais comment je l'atteins? C'est pas le bon endroit. Ça c'est un... Voilà, c'est une porte fermée. Donc, je peux pas y aller maintenant. Alors Olive dit, le jeu certes imparfait, pas original, etc. Tout ce que vous voulez, mais ils ont fait ce qu'ils ont pu à cette époque. Ils ont fini par être achetés par Bethesda plus tard. Soitalis, lui, fut unique et l'enfant né de cette boîte, voilà. Ouais. Ouais. Oui, bah c'est le camp des gobelins pêcheurs que j'ai pas... Là, il y a le marchand humain. D'ailleurs, ouais, non, je veux pas. Sabre non identifié. D'ailleurs, peut-être qu'un sabre peut faire office de clé. Enfoncer un sabre dans une serrure. C'est pas impossible. Et là, si je retourne par là, je sais plus. Oh! Ah, je retourne chez les femmes serpents. Merde, c'est le truc où je peux me faire assassiner par l'homme rat, là. Bon, je l'attends, hein, tant pis. Je traverse ma zone et puis... J'espère juste qu'il va pas me déboiser. C'est bizarre. On pourrait croire que c'est une porte. Là j'ai une pelle si je veux. On est d'accord que ça se pète pas. On est d'accord, ça se pète pas. C'est pas ça. Ouais, les débuts d'Arkane Studio, ouais. Très bonne boîte, ils ont très bien évolué leur style jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Oh, c'est foutu. Où mène le machin? L'homme rat, je vais me le faire, l'homme rat. Il me bouffe. Il me bouffe. Il est tombé en arrière en faisant sa magie et il y a une effusion de sang. N'oublie pas qu'il est mort. Bizarre. Là, il n'y a rien de caché derrière. Suspect. Pas aller par ici, il y a des rats, ok. Hop, dehors en moins. Ouais, gémissement en stéréo. Est-ce qu'ils sont rigolos? Alors, littéralement, c'est un trou à rats.
Ouais, poisson cuit, placage, pas du tout. Poisson cuit, je le mange. Ouais, non, c'est gros caillou, d'accord. Enfin, grosse pierre. Là, c'est quoi? C'est un truc de... allumé ou... Visiblement j'ai rien derrière mais... Ça s'allume ça? Non, ça s'allume pas. Je sais pas à quoi ça sert. Ah, je peux allumer le feu si je veux. Un jour j'y arriverai. Merci. Hop hop hop. C'est quoi ce trou? Qu'est-ce que... Bon d'accord, il y a une canne mais... Je devrais essayer autre chose. Attends. Ah, c'est dans le sens... Dans le sens canne à pêche. Parce que là, on voit clairement un trou. Ouais. Ah si, c'est des trucs de torches, ça. Donc, c'est bizarre que... Oh, tout n'a pas été programmé en... ça en combustion machin, je sais pas, c'est bizarre. Là, on part du principe que le truc est en mauvais état. C'est moi ou mon arme est en ça prête à être cassé. Ah, 9 sur 80, ouais, je vais changer d'arme. Faut que je change d'arme parce que là elle va se briser donc si je la perds ça la fout mal. Bon bah je vais peut-être remonter. Attends, je vais où là? Je retourne dans les... Putain, je sais plus où je vais. J'aimerais bien monter chez les humains, les commerçants, là, tout le boxon. Là, va y avoir les maboules de la secte. Faut pas que je tombe sur les mecs en armure rouge, parce que sinon je suis mort. Non, non, merci Zex de Citron, c'est très gentil. En fait, mon eau qui chauffe, c'est dans une marmite. Et ça doit commencer à peine à bouillir. Donc, je mettrai pas mes pattes avant moi le quart, à mon avis. Mais merci, c'est très gentil et sage de toi de me le rappeler. Merci, merci. Attends, c'est un... Ah oui, c'est un cadavre, ça. Ah oui, c'est le gobelin que j'ai tranché en deux. Bon, là, je suis quick, je peux pas passer. Mais ouais, je vais arrêter dans quelques minutes, hein. Je suis très content, on a énormément avancé sur Arx Fatalis. J'espère juste ne pas avoir saboté le jeu au niveau perso, parce que j'ai tellement couru à droite à gauche comme un fou furieux que j'ai peut-être généré ce qu'a dit Olive, c'est-à-dire que je vois que le jeu il va pas aimer, il va être cassé. Et j'aurais plus de trame scénaristique, là ce serait dommageable, parce que je me vois pas recommencer le jeu.
Mais bien qu'il soit excellent, mais bon. Comment je fais pour retourner chez les humains? Je sais plus. Au pire, je regarde ma carte. Ouh, attention, là, je suis dans le secteur de la... Non? Oui, là, c'est là où il y avait la secte. Et là, c'est un... trou. Voyage, voyage, plus grand que la nuit. Oh oui, il y avait un semblant d'échelle, j'ai cru que je pouvais escalader, mais non. Ça, c'est un passage vers nulle part. Ah, les portes que je peux pas ouvrir, il y en a un paquet. Il y en a un paquet. D'ailleurs, je peux faire la négation, parce que... je peux dire non. Je peux dire éteins-toi, l'inverse, dans le sens contraire. Oh, elle est chiante, la souris, quand elle bug. Voilà, là je l'éteins. Et c'est pas un levier, on est d'accord, ça ouvre pas la porte. Non. Bon bah tant pis, je vais la rallumer. Je vais la rallumer. Bon. Peut-être Redfall, c'est mal reçu. Il me dit rien Redfall, j'ai jamais fait Redfall. Comme jeu. C'est cette portail de téléportation, mais c'est pas là que je veux aller. Ah, je sais plus. Là, il y a une porte qui est fermée que je peux pas ouvrir non plus. Là, je tombe comme un gros nigo. Par où j'étais passé, moi? Là, c'est un trou perdu où je crois qu'il y avait d'ailleurs des pierres précieuses au mur que j'ai joyeusement pioché pour me faire de la thune. Et merde. Ah! Oui, ça c'est bon, signe ou pas. Mais non, je retourne chez les femmes serpents, merde. Ah, je vais devenir cinglé. Ça y est, je suis en train de me perdre. Lui, je l'ai fouillé. Non. Il y a de la torche, il y a de la thune. Alors la thune, tu m'étonnes que je la veux bien. Remarque, les torches, je peux les prendre aussi. J'en ai plus que 7. Voilà. Merci. Alors attention, je peux avoir l'homme rat de mes deux qui va me les briser. Jeu de la vie là-bas, non? Ah oui, il y a une créature. Squelette. Non, il a juste son armure et des os.
Là, j'ai une pépite de fer, un autre squelette avec un os. Il n'y a rien d'intéressant. Je prends la pépite de fer. C'est gentil, c'est cadeau. Oh là là, torche, on n'y voit rien. On n'y voit rien. C'est quoi ça? On aurait presque dit un objet. T'es sûr que ça s'allume pas ça? Non, non, y a pas d'essence dans le truc. C'est quoi? Non, ça sonne tout. Lui, il a un bracelet. Ça me fera de la tunasse. Je prends. Si je peux. Visiblement, je peux pas. Je peux pourquoi. Pourquoi je peux pas prendre son bracelet à lui? J'ai une case de libre pourtant. Ah, merci. Dis bien qu'il se paye de ma tête. Encore une torche. Non, là, je m'en fous. Encore une torche. Voilà, de gagner. Voilà, je tourne en rond. Là, il n'y a rien d'intéressant. C'est tout? En fait, c'est un truc, tu tournes en rond. Ah ouais, c'est un truc débile. Là, on pourrait croire qu'il y a un passage, mais non. C'est grand, Ars Fatalis, c'est immense. C'est immense et je suis perdu. On dirait presque un feu de camp. Oui, là il y a eu un semblant de. Non, je pense pas. C'est quoi que je vois là? Ah, c'est le cadavre de la femme. Alors lui, il me les brise. Ah, je l'ai touché. Ouh, avant sa téléportation, je l'ai bien touché, lui. Il a goûté de ma rapière. Merde, le revoilà. Salopard. Merde, il m'a volé de la thune. Enfoiré. Ah, je l'ai buté. Ah, j'ai gagné en niveau. Mais on verra plus tard. Salopard! Ouais, il m'avait volé 10 pièces d'or, le petit... Hein? Saligo. C'est quoi sa dague de mort? Une dague non identifiée. Alors, j'en connais un qui va gagner une canne à pêche dont j'ai rien à péter. Et moi, je me récupère la dague. Salopard! Puis c'est marrant qu'il soit en croix au niveau du mur là, c'est rigolo comme de. Bref. Eh ben je suis bien content de lui avoir fait sa peau. Non mais je vais remonter là quoi, parce que je vois pas de. Je vais réussir à m'en sortir. Allez, je me donne encore 5 minutes. Après, je vous abandonne. On se retrouvera, je sais pas quand, dans l'après-midi. Je pourrais pas revenir à 14h pile, mais un peu plus tard. D'ailleurs, je suis bête. Faut que je sauvegarde, parce que avoir buté l'homme rat, je suis heureux. L'homme rat quick. Non, c'est pas fuite, mais tant pis. Mais j'aimerais tellement revenir au niveau des humains avec les marchands. D'ailleurs, ça me permettra d'être zen à la reprise. De me dire, je suis libre d'aller où je veux dans les investigations. Ah, d'avoir foutu la pâtée à l'Omra, ça me...
Bon, les gobelins, là, clan terre, clan eau, ou clan rat et clan poisson, je me les réserve en amuse-gueule. Quand j'aurai passé mes nerfs sur quelque chose, ce seront eux. C'est moche, mais... Ils paieront très cher leur tribu. Ça parle mal. Non, ça, c'était le truc de téléportation. Putain, c'est con que je ne sais pas me servir encore de la téléportation. Il faut vraiment que j'apprenne la... J'ai pas regardé véritablement la femme serpent qui m'a enseigné du côté des humains comment se servir des portails de... Ah oui, c'était par là-bas. Oui, espoir. Je vais revenir chez les humains. On y croit. Bon appétit hein, à toutes et toutes pour ceux qui passent à table. Oui, alors là, c'est une porte-serrure. Je savais pas. Ouais. Eux, explosés. Ah, je me sens déjà mieux. Je me sens déjà mieux parce que les humains sont pas très loin. Tac, 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 tac. Voyage, voyage. Touda, doulili, doudou. Voyage. Ah, la civilisation humaine. Encore que là, c'est les... Il y a une étape intermédiaire, là. Alors, tiens, vous voyez, je vais aller revoir les trolls qui sont tout proches. Là, c'est les gobelins hein, qu'on voit. Je vais aller revoir les trolls pour et voir leur roi pour voir s'il est fâché contre moi ou pas. Et là, vous allez voir que je vais me faire démolir la tronche. Je vais être très emmerdé. Vous êtes pas fâchés, les gars. Toi, ami. Oui, moi, copain. Toi, ami. Moi, saluer avec enthousiasme votre roi gentil. Moi, me rappeler du chemin si... Ah bah, c'est bien, Momoka balance son direct. Je serai un relais de chaîne à Momoka, du j'ai vendu. Alors, le roi, où est le roi? Le roi est là-haut, sur son trône crâne pierre taillée. Alors, sire, comment ça va, sire? Toi, être véritable ami des trolls. Voilà, on est d'accord. Moi, beaucoup aimé eux. Plus que gobelins. Parce que eux, pas cons. Pas autant qu'ils, humblement, ils pensent être. Allez, moi, retourner dans ma faction des humains, si moi, cerveau, savoir me servir. Que le chemin était par là-bas. Ah, d'avoir mis la roustre à l'homme rat, ça me... Je me sens en paix avec moi-même, là, vous voyez. Faudra que j'aille revoir le forgeron, que je me remette mes armes à donf. Et... Les prochains qui vont me faire suer, je vais les patater, mais alors... Ah, c'est jouissif d'avoir ce sentiment de puissance. Je me fais plus marcher sur les pieds, là. Il est loin le temps où j'étais prisonnier dans les geôles des gobelins. Il est vraiment révolu, ce temps. Gnaf, gnaf, gnaf. Allez, zou. Escalier, accès direct aux humains. Ah, mes semblables, me voilà. Ouais, c'est jubilatoire. Hein. On est d'accord, Olifi, toi aussi, tu as connu ce sentiment de confiance. Alors après, faut pas tomber dans l'excès inverse, qui est justement prêché par excès de confiance. Et c'est même mortel et plus ridicule comme mort, d'ailleurs. On se croit trop puissant, c'est pas bon. Ah, l'autre qui se la pète. Oh, mon cher Gary, il travaille si dur pour être riche. Oh. La vilaine, elle est si cupide. Alors. Hein. Non, j'aimerais... Il était où le forgeron? Je sais plus où était le forgeron.
Là, c'est des commerçants classiques. Il y a le joaillier, il y a la dame adorable qui vend un peu de tout. Le forgeron, il est peut-être à l'autre bout de la ville. Attendez, ça c'était une caserne, je crois, non? J'entends quelqu'un qui tape sur une enclume. Ça, pardon, je vais être poli, refermer la porte quand même. C'était pas lui le forgeron, j'entends. Si! Mon copain! Répare-moi mes trucs, s'il te plaît. Répare-moi ça, mon gars. Pas assez d'or, merde. Ah! Merde, il faut que je me fasse de la tunasse. Alors attends, j'ai un bracelet, j'ai un collier. J'ai une gemme de fer. On se prend pour qui? Attends, il achète mon truc ou pas? Non, c'est en rouge, il veut pas acheter. Il faut que j'aille dans le bon commerçant pour. Bah, c'est pas grave. Je ferai ça la prochaine fois. Je vais refaire une prise en douceur. Je vais aller voir les bons commerçants. Je vais me refaire du fric. Et je vais réparer mon matos pour la suite, quoi. Donc, c'était Arx Fatalis. C'était cool. Je vais sauvegarder là dans reprise. Merci à vous d'avoir suivi. Merci la modération FunFan. Merci pour les conseils, l'argumentation, etc. Olive qui tue, évidemment. Là, hop, je peux quitter. C'était trop bien. On va faire une chaîne à Momoka. Oula. Je vais peut-être vous mettre ma tronche parce que... Bon, ça va, j'ai cru que l'écran noir allait rester. Mais c'est peut-être plus sympa que... je vais ouvrir le navigateur. Je vais tout faire en même temps, c'est-à-dire retrouver le son de Momoka et carrément dans mon chat officiel mettre la commande de relais de chaîne parce que mon logiciel risque de me faire un caca nerveux. Alors le logiciel pour moi gérer le chat s'appelle Chatty. Et pour tous les diffuseurs, je vous le recommande chaudement. Bon appétit, merci à toi aussi Christella. Bon appétit à vous toutes et toutes. Donc, merde, j'allais faire raid à Christella moi. Momoka _ 1. Voilà. Bon appétit à vous toutes et toutes. Je reviens à 14h30. Sachant que principalement cet après-midi, on va se faire du Flat Out 2 entre copains. En multi. Mais pas que. Avec un peu de chance, le soir, je ferai un petit peu de Portal 2. Avant de boucler sur le... Sur le tableau mystère. Ou si j'ai vraiment retrouvé ma forme... Peut-être qu'on fera, allez, peut-être un peu de bibi entre 20h et 21h. On fera peut-être un peu de bibi. C'est pas sûr, mais c'est pas impossible. Allez, bisous. On file chez Momoka. A plus. Y a la baliste. Non, c'est pas ça. Je me suis trompé de fenêtre. Momoka. Y a la baliste. Non, c'est pas ça. Je me suis trompé de fenêtre. Momoka. Ça. Je me suis trompé de fenêtre. Momoka. Pourquoi je veux pas Momoka? Ah, Momoka est là. Je me suis trompé. C'est quoi cette ambiance de fou? Mayu Momoka! Oh! Cette ambiance. Bon, j'écoute et... faire ma popote. Bon, il y a tout le monde. Bah, ça va bien. Oh, ça va bien, merci. Cette musique de fou, mais j'espère que Momoka va pas avoir de problème de droit. Mais c'est sympa comme ambiance. Merci les amis qui regardent sur YouTube, les rediff. Bisous, à plus.